ça passé, c'est plus Ariel Henry à gouvernement là a marqué point sous deux peuples haïtiens. Dans dernier jour ça là, il y a plusieurs réunions, gros réunions qui organisées que était en Haïti, que était l'autre bord de l'eau pour y rejoindre une entente, pour y rejoindre une solution à problème pays d'Haïti avec violence criminelle gang qui terrorise population. Mais est-ce qu'on te connaît dans toute violence criminelle gang qui terrorise population, il y a citoyen canadien, il y a citoyen américain? Bien rete là. Puisque pays Canada annonce là, pas bon côté pa yo, pas bon la kaye pa yo, gen en pile gros sanction yo prévoit pour Canadiens yo suspect qui contribuye nan créer insécurité, nan fè zak malhonnête en Haïti. Rete là, m'bral ba ou plus détail. Est-ce que pays Canada décide tout bon pour prendre tête intervention militaire là en Haïti? Qui a venu en composition ça? Combien de soldats dans qui ville yo pral déployer? Est-ce que qui objectif, qui dure mission? Est-ce que li favorable pour gouvernement Ariel Henry en un moment là pour joindre une réponse positive sous demande de te faire communauté internationale là pour voyer un support militaire en Haïti? Eh bien, gagné ambassadeur canadien Sébastien Carrière qui lui-même li baille position dans dossier si là. On pral joindre tout détail ça, toute information ça yo. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est un plaisir pour m'avoir aujourd'hui dans l'émission pour là mon éditorial avec Yannick. Nous parlons pas les pays, nous parlons exposer différents points importants aujourd'hui dans l'émission qui parlent bon une idée de situation sociopolitique dans vivant dedans pays sous des approches diplomatiques pas quelque pays à faire là dans dossier haïtien, surtout dans ça qui vient pour avec demande d'intervention militaire. Gouvernement Ariel Henry te fait. Est-ce que dans le jour qui vient là, on a gagné pour nous recevoir déploiement de forces militaires étrangères en Haïti? Préparons, nous prenons pas les pays. Ou prenons gagner toute information ça avec un pilote dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Problème de sécurité, gang, violence criminelle qui gagne en dedans pays, ça n'a vive pas bon la caille nous. Li pas seulement préoccupé gouvernement Ariel Henry en soi-disant, mais il y a un paquet de pays, tant que États-Unis, Canada, qui chita, qui a regardé ensemble comment ils ont aidé Haïtiens à sortir dans l'insécurité, dans la violence criminelle, dans l'instabilité politique dans la vie aujourd'hui là. Eh bien, pays Canada fait qu'on est, ils prennent très au sérieux la situation catastrophique. Problèmes à l'insécurité, violence criminelle, gang qui a terrorisé la population, ils prennent très au sérieux. Semaine passée à la, te gon visite qui était organisée entre secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec premier ministre canadien Justin Trudeau et dans la rencontre ça, te gagné ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly. Et bien à partir de la rencontre ça, te gagné une délégation que gouvernement canadien t'a envoyé en Haïti. Au fait, c'est plusieurs délégations qui t'ont gagné pour rentrer en Haïti, pour venir faire des évaluations, venir rencontrer différents acteurs, venir rencontrer des gens qui lient directement avec problèmes politiques là, moun ki gen porte de responsabilité nan gérer question sécurité en Haïti pour évaluer situation et sécurité en Haïti pour regarder dans qui mesure possible yo ka aider PNH dans qui mesure possible si Canada ta répond favorablement pour prendre tête et pour prendre tête intervention militaire en Haïti, est-ce que ça t'a porté résultat, est-ce que ça t'a favorable pour peuple haïtien? Mais nous pas oublier États-Unis avec Mexique te mettez sous table une résolution qui t'a pral gagné objectif pour sanctionner chef gang yo à toute commanditaire gang yo. Ça veut dire moun qui a financé gang yo ba yo moyen technique, ba yo l'argent, ba yo zam, vann yo bala munition pour yo terroriser population, pour yo créer un chaos généralisé en dedans tout pays. Canada t'a pral découvrir gagné plusieurs groupes moun, gagné plusieurs nationalités, plusieurs catégories moun qui participaient dans créer sécurité violence en Haïti. C'est pas seulement haïtien, c'est pas seulement ressortissant haïtien yo, mais parmi yo gagné canadien, gagné américain, gagné français, etc. Et bien ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly li décidé
pour le prendre des sanctions. À travers la résolution ça qui vote en dedans Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien c'est pas seulement couper visa, retirer visa des ressortissants haïtiens, nèg qui dans politique, nèg qui dans secteur privé, des affaires ou bien monde qui fait partie de société civile là qui en relation à gang, mais tout pas bon la caille pas dans pays pas au Canada, dans moment n'a parlé là. Eh bien, gouvernement fédéral canadien a décidé de prendre des sanctions contre des ressortissants canadiens qui ont estimé qu'ils ont un collimateur, qu'ils ont visé là, qui a participé à créer une sécurité, qui a participé à créer une stabilité, qui a une relation à gang avec bandits en Haïti. Eh bien, dans notre vue que le ministre des Affaires étrangères canadien, et Mélanie Joly, a participé aux coulisses du pouvoir, il a déclaré que impunité n'est pas option pour yo au Canada. Question pourtant de en Haïti, ou tande gen nèg ki nan pouvoir, gen nèg ki nan gouvernement, gen ministre non impliqué nan kidnapping, gen ministre non impliqué nan question trafic d'armes et munitions dans pays. Yo pas sanctionné yo en Haïti, mais li même pas bon côté pa yo, la caille pa yo. Question pour yo tande des citoyens canadiens impliqué dans créer instabilité, dans créer violence en Haïti, impunité par option. Et c'est une des raisons. Canada a décidé de mettre favorable avec résolution ça que pays États-Unis avec Mexique prennent la question sanctionner gang en Haïti. Yo même yo dou, yo monté à bord, yo choisi voter pour résolution ça, pour résolution appliquée, c'est parce que yo croit dans efficacité. Yo croit que résolution ça li capoter résultat. Donc kounye a, c'est pas à bon côté par nous la caille par nous pour nous regarder comment nous ca mettre la justice en branle, comment nous ca réactiver le système judiciaire là, pouvoir judiciaire là pour le porter résultat. Puisque la caille par au Canada, yo même yo gete préparé pour yo sanctionner des citoyens canadiens, canadiens qui ont relation à gang en Haïti, canadiens qui probablement yo estimé à travers enquête yo fait qui gagne à acquaintance avec des hommes politiques en Haïti qui a financé gang, qui a financé insécurité, qui campé des bandits en Haïti, yo même au Canada yo prévoit sanctionner yo. Si au Canada yo prévoit sanctionner canadien, yo prévoit prendre des dispositions non seulement pour yo geler avoir yo, non seulement pour yo sanctionner au point de vue légal en Haïti qui ça nous décide de faire criminel par yo ak bandi ak cravate ça yo qui ça nous décide de faire avec gang ça yo les gangs qui sont au pouvoir qui ça nous décide de faire avec différentes personnalités jodi an la qui fait partie de pouvoir réel en rien non yo a cité dans scandale corruption non yo a cité dans violence criminelle en Haïti qui ça nous voulait faire avec yo qui ça nous pral faire avec yo donc au Canada là dirigeant canadien yo, premier ministre canadien Justin Trudeau, ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly, yo rete quoi? Yo gen confiance dans résolution ça qui voté en dedans Conseil de sécurité Nations Unies qui pral sanctionner gang yo, qui pral sanctionner commanditaire gang yo et yo rete quoi? À travers résolution ça, c'est une possibilité en plus pour Haïti, pour Haïtiens, pour autorité, pour institution démocratique en dedans pays nous, pour yo combattre violence en Haïti, pour yo combattre système corruption en Haïti, pour yo combattre question grand banditisme en Haïti, pour permettre à ce que population haïtienne non pour li vivre bien, moun sa yo qui rete en bas griffe insécurité, moun sa yo violence criminelle, violence gang, affrontement gang chaque jour a détruit a créé un inconfort, a créé une situation catastrophique dans le pays, une situation de crise humanitaire sans contrôle, sans précédent. Donc c'est le moment qu'il a estimé pour Ariel Henry, le gouvernement, là, pour assumer la responsabilité. Mais qui est Ariel Henry qui gouverne? Au contraire, dans le moment ça, par rapport à la situation ça qui gagne aujourd'hui en Haïti, là, plus ça passe pour Ariel Henry, j'aime dire, on a commencé pour l'émission, c'est plus Ariel Henry avec mon gouvernement, là, se tient confortable. Plus ça passe, c'est plus Ariel Henry li mette la foi dans la communauté internationale, précisément dans le pays États-Unis. Li mette toute la foi, pas bon côté changer d'affaires américain, changer d'affaires à Eric Stoumaier. Li mette la foi, pas bon côté Brian Nichols. Li mette la foi, pas bon côté Anthony Blinken, qui pral aider Kembe fonctionne, qui pral aider le rete dans tête pays, puisque ça a demandé Ariel Henry comme faveur, ça a demandé Ariel Henry pour le prendre comme décision. Ariel te prend, il a demandé Ariel Henry pour le retirer subvention, et d'ailleurs c'est Brian Nichols qui te déclaré.
Une des raisons qui fait États-Unis continuer à supporter Ariel Henry, c'est parce que ont demandé à Ariel Henry pour retirer la subvention à Gaza. Automatiquement, Ariel Henry retire la subvention. Il fait au bon gré des États-Unis d'Amérique. Je dis là, qui ça nous attendre en retour? Qui ça nous attendre par rapport avec la situation? Est-ce que l'objectif Ariel Henry, c'est pas arrêter notre pays? Est-ce que l'objectif États-Unis, c'est aider à rétablir l'ordre démocratique tout bon, alors que y a collaboré avec Ariel Henry qui pas respecté aucun principe démocratique, y a collaboré avec un gouvernement qui décrié, y a collaboré avec un gouvernement n'a pas Charles Barry derrière chaque jour. Qui ça nous attendre de bon par bon côté États-Unis? Qui ça nous attend de bon par bon côté différents pays qui fait partie de communauté internationale en jodi en là, qui fait partie de corps groupe qui a supporté gouvernement Ariel Henry, qui a supporté pouvoir sanguinaire Ariel Henry. Dis bien. Plus passer 4 millions de timoun pas à l'école pour qui ça pour gaz. Plus passer 4 millions de timoun pas à l'école pour qui ça pour problème violence, pour insécurité, pour gang qui a terrorisé population. Si Ariel Henry était senti confortable pour le mandat d'intervention militaire étranger, c'est parce que lui estimait la police pas en mesure pour résoudre le problème d'insécurité. Et une des raisons qui fait la police pas en mesure pour porter une réponse rapide, une réponse drastique par rapport avec violence criminelle qui gagne dans le pays, c'est parce que jodi an tout gang ça cap terroriser population, toutefois les criminogènes ça autant de et Badel Magon groupe gang Petionville la boule 12 gon groupe gang, Peigné gon groupe gang, Canara gon groupe gang, Matissan gon groupe gang, autant de quoi des bouquets gon l'autre groupe gang, toutefois et différents foyers criminogènes ça yo. Cherchez qui est qui a tiré ficelle là, cherchez qui est qui a dirigé marionnette ça yo, cherchez qui est qui a influencé nèg ça yo pour terroriser population. Ou comprendre est-ce que yon jou est-ce que yon jou la police a en mesure vraiment pour résoudre problème insécurité, pour résoudre problème violence criminelle qui est en Haïti? C'est même acteur politique ça yo. C'est yon même qui a financé insécurité. C'est yon même qui a financé violence. Autant des présidents, autant des premiers ministres, autant des membres gouvernement, leur besoin à respecter une date officielle. Le bandit dit yon pas pralé. Le gen opposition qui dit yon pas pralé. Qui ça yon fait yon cherche yon négociation? Yon cherche yon entente avec bandit yon. Yon cherche yon laisse passer. Yon cherche yon couloir pour yon arriver à le faire si malgré yon. Pour yon montre yon gen autorité. Mais en pile fois yon pas réalisé. L'on ba yon bandit 10 millions de goud. Ou ba yon bandit 20 millions de goud. Ou ba yon bandit 25 millions de goud. Li pas fait l'autre bagaille. L'argent ça pouvoir ba yon bandit yon. C'est pour yon renforcer capacité technique yon. C'est zami à l'acheter, c'est bal à l'acheter. C'est plus alliance qu'a fait avec l'autre gang, c'est plus territoire yo apprend. Parce que automatiquement nèg la gon puissance de feu, groupe gang yo gon puissance de feu. Yo gen zami, yo gen bal, yo paré pour yo bataille et kounye a l'opre la police qui sont force légale dedans pays ya. Avec faible moyen yo gen des policiers qui gen bonne volonté pour yo combattre sécurité, pour yo combattre gang. Kounye a c'est pouvoir encore qui a bay bandi moyen pour acheter zam bal pour venir battre avec policiers, pour venir assassiner policiers. Malgré situation nous gen la jodi, faut me dire nous faut moins clair avec nous. Nous rive non moment côté que ou gon gouvernement là qui décrié, ou gon gouvernement qui pa gen aucune légitimité. Mais gouvernement Ariel Henry, nous constatons dans ce moment-là son gouvernement qui est répressif. C'est même la police a, où elle a dénoncé des dérives qui ont passé. Dérives ont fait policiers ont subi. Mauvais traitement ont fait policiers ont subi. Mais c'est même policiers qui ont encore instrumentalisé pour faire répression sur le peuple. C'est même policiers qui ont instrumentalisé pour créer chaos dans la population, pour tout le petit peuple. Comment on va l'expliquer? Ou non, commissariat pour la sécurité? Journaliste a assassiné en dedans commissariat. Moun a pris balle en dedans commissariat. C'est même la police ça, c'est même policier ça a utilisé lors des manifestations pour faire répression sur population. Moun ka manifesté pour grand goût, moun ka manifesté pour chômage, moun ka manifesté pour sécurité en dedans pays. Mais gros bagay policier pour comprendre. Policier jusqu'à présent pour comprendre, c'est utiliser que le gouvernement Ariel, que le CSPN, que le état-major la police, c'est utilisé à utiliser. Parce que bandit, le pouvoir bay bandit l'argent yo pas bay bandit. Yo pas bay bandit pour le faire silence, non? Yo pas bay bandit l'argent pour l'économiser. Yo pas bay bandit l'argent, bandit choisir régler salaire à l'argent. Et l'argent ça pouvoir bay bandit, li yo tourner le contre la police.
Yo tournel contre policier yo. Jodi an fòk o policier réfléchi avant l'agir, avant ou joine l'ordre nan men commissaire, avant joine l'ordre qui sorti en dedans ou état major la police qui dou faire répression sou moun yo. Ba yo gaz, touye yo a gaz lacrymogène, tire bala blanc sou yo, tire bal réel sou yo, tire à hauteur d'homme sou yo, fòk réfléchi. Faut réfléchir parce que ou sorti dans masse peuple ou sorti dans même dans mitan petite soyette yo, ou sorti dans même crasse, ou sorti dans même malabou. Jodi an gade Ariel Henry, gade au état major la police, gade différents nèg k'ap tire ficelle insécurité, gade si moun sa yo ou semblé avec vrai parce que yo même y a cherché identité yo dans qui est, y a cherché identité yo dans oligarque. Jodi an n'a considéré oligarque en dedans pays, c'est pas seulement nèg secteur privé pour n'a prendre comme oligarque. Si n'a cherché moun qui a déstabilisé pays, c'est pas seulement nèg ça dans secteur privé moun nous identifier comme si au libanais, c'est pas seulement même qui oligarque. Nous gros paquet nèg tête green là, nous gros paquet nèg noël là qui considéré eux même comme oligarque tout oui. Parce que moun nan jodi an la l'on prend des séries de moun qui dans entourage ou li assimilé là avec et ti riche noir. Oh, li tellement sentil confortable, li tellement sentil gen pouvoir parce que ses amis ont ministre. Et puis so entendre a voisin bon la cali la fait monter le ciel bado, la fait pas son calme, la fait pas son mentir. Moun sa pas différent de oligarque cap kaze pays yo. Li pas différent de nèg sa qui mettait des millions à terre sous table là pour déstabiliser pays an parce que yo intérêt économique yo menacé. En Haïti, son bataille de pouvoir, son bataille nèg à l'argent qu'a fait. C'est pas bataille nèg à l'argent contre masse peuple, son bataille nèg à l'argent qu'a fait au détriment de peuple haïtien. Nèg à l'argent bataille nèg à l'argent et podcaster ce peuple haïtien qu'a payé. Jodi, faut que nous commencer comprendre, faut que nous commencer ouais clair. Bon, du si Canada estime que l'insécurité qui gen là dans violence criminelle qui gen en Haïti là, des Canadiens qui impliqué yo paré pour prendre sanction contre citoyen canadien ça yo, yo paré pour sanctionner yo j'ai bandé pas une question impunité, impunité elle pas option négociable la pa yo. Pour qui ça nous même en Haïti nous pas décidé dans moment là des séries de nèg, des séries de membres dans gouvernement Ariel Henry, États-Unis retirer visa yo, yo couper visa yo, etc. Pour qui ça nous même nous pas profiter sanctionner nèg ça yo. On a ta couberto d'orse. Nan moment là, ta supposé gon enquête kap fait sou li. Gon enquête ki tombe sou li, ap chèche ensemble d'éléments de formation. Pas trop loin là, pas trop loin nous là, quelques mois de cela, scandale, cargaison zam port de paix. Nous qui est-ce qui impliqué, nous berto d'orse. Ou pas tande yon enquête. El style ministre de la justice. Li continue nan fonction nan poste comme ministre de la justice. C'est lui même qui a coordonné action justice en Haïti. C'est lui même qui a coordonné action commissaire du gouvernement en Haïti. Quelle honte! Quelle honte! Moi même ta commissaire du gouvernement, m'ta pren l'ordre. M'ta pren l'ordre nan men bête d'orse nan moment là jamais. M'ta quitté fonction, m'ta remettre démission, m'allé. Parce que à un certain moment de la durée, si nous di nan bataille, n'a bataille contre impunité, nous dit n'a bataille pour nous kembe, pour nous gon l'autre image de pays, nous dit n'a bataille pour nous mettre camp pour l'autre modèle justice, on l'autre forme justice, mais nous pas ka gon ministre, nous ministre de la justice qui implique dans toute malpropreté ça yo, dans toute saleté ça yo, dans question corruption, dans question trafic d'armes, et puis comme si de rien n'était, il continue dans fonction, il continue à prendre décision, il continue à coordonner toute juridiction pays yo, il continue à passer commissaire gouvernement l'ordre. Des fois, je me demande est-ce que Muscadet est conscient de Baïza. Muscadet qui tout le temps l'a traqué bandit, pas une question impunité côté, pas une question bandit à taille bada, mais est-ce que c'est accusation? Yon moun qui gen accusation sous dol, c'est la justice qui peut blanchir, c'est la justice qui peut trancher. En Haïti, même accusation, nous ne prenons pas au sérieux. Yon toujours dou se buzz, yon toujours dou se diversion, yon toujours dou se moun ki pa vle ou en tel. Oh, on comprend persécution politique. Tout bagay en Haïti c'est persécution politique. Et pourtant, l'autre pays yo même y a travail, l'autre pays yo y a pensé comment yo ka aider Haïti, comment yo ka sanctionner moun la kayo qui contribue dans violence en Haïti, mais nous même nous pa montrer nous gen volonté. Nous pa montrer nous gen volonté. Bon, nan dossier intervention militaire en Haïti. Question en pile mon a posé dans moment là, est-ce que Canada li accepté pour prendre tête intervention militaire en Haïti en tout bon, parce que c'est ça États-Unis vle, c'est tout rêve, c'est tout souhait département d'état américain, c'est tout souhait et secrétaire d'état américain Anthony Blinken pour ouais c'est
Canada qui dans tête mission ça côté pral gen intervention militaire qu'a fait en Haïti pour aider PNH combattre insécurité gang violence criminelle. Gayen Sébastien Corrière qui c'est ambassadeur canadien en Haïti. Lui-même par rapport avec situation ça par rapport avec un paquet d'informations qui a circulé, rumeurs qui a circulé, lui t'a décidé et pour couper court avec toute information ça yo. Et qui ça qui dit qui ça Sébastien Corrière dit dans toute situation ça, dans toute information ça yo qui a véhiculé. Eh bien semaine passée, pendant Anthony Blinken t'a rencontré avec Justin Trudeau Canada, avec tout ministre des Affaires étrangères là, yo t'a profité pour une délégation en Haïti. T'a gagné plusieurs délégations qui viennent en Haïti pour rencontrer avec et à qui le droit, pour rencontrer avec différents groupes moun qui concerné avec question sécurité en Haïti, qui concerné avec question politique en Haïti, moun qui ka baye yon idée de violence criminelle yo, moun qui ka expliqué yo différents foyers criminogènes yo connaît, comment groupe yo opéré, comment gang yo opéré, etc. Yo te rencontré avec différentes personnalités. Maintenant, samedi qui s'est passé à la délégation, ça a retourné Canada. Yo retourné Canada là, yo pral dresser un rapport. Dans le rapport ça, yo pral bay ça yo gagné comme perception. Ambassadeur canadien lui-même lui déclaré que dans le moment là, à tout l'an élevé. Après évaluation qui s'est faite là, tout le monde attend, bon, disons haïtien gouvernement Ariel Henry, États-Unis tout attend une réponse favorable parce que c'est ça yo vle, c'est Canada yo vle qui pour débarquer là pour venir prendre cette mission pour gérer tout ça qui gagne pour avec intervention militaire. Kounyan, c'est qui travaille réellement délégation te gagne pour le faire en Haïti. Équipe qui te gagne responsabilité pour le faire évaluation. Kounyan, débarquer là Canada, tourner retourner Canada, yo commencer informer aux fonctionnaires yo, moun sa yo qui a gagné, qui te voyé en Haïti, qui a gagné pour décider est-ce que oui ou non, Canada prend cette mission en Haïti. Yo pral commencer informer yo là, est-ce que gen possibilité vraiment pour intervention en fait? Est-ce que gen possibilité vraiment ça yo te attendre par bon côté gouvernement haïtien dans cadre et enquête, dans cadre travail de coopération qu'a fait là? Est-ce que gouvernement Ariel Henry yo paré vraiment? Est-ce que PNH paré vraiment pour le prendre collaboration, pour l'accepter collaboration? Est-ce que peuple haïtien tout par rapport avec garantie gouvernement Ariel la bayo là, est-ce que population, est-ce que leur mission militaire en débarqué, est-ce que on va pas monter sous récif, est-ce que peuple haïtien a d'accord, est-ce que y a pas prouvé, etc. Tout bagaille ça yo, yo fait objet de une discussion, yo fait objet de une évaluation. Mais kounye a quand le problème nan yé, c'est le fait que le gouvernement Ariel Henry yon yo pas mettre peuple haïtien au courant de quoi que ce soit. On m'explique parce que si gen yon intervention militaire que nous mandé, au moins faut gen lumière qui fait tout ça. Lumière dans qui sens? Population a attendu avec des explications. Et c'est un point faible gouvernement Ariel Henry. Et pas seulement gouvernement Ariel Henry, yon pa ket l'autre gouvernement passé. Yon pa bay, yon pa noue peuple explication. Yon pa bay moun aucune explication de quoi que ce soit. Nous ta au moins bon idée qui a venu en composition sa gen. Ok? Qui quantité soldats yon espéré pour ta gen en Haïti? Dans qui ville yon pral déployer? Qui objectif? Pour combien de temps? Ah, yon pas défini yon bagay sa yo. Li seulement contentement de l'intervention militaire en Haïti. Donc, c'est Conseil de sécurité des Nations Unies qui a gagné pour décider. Ça veut dire la jodi, si Canada ta répond favorablement, c'est Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est États-Unis qui a gagné pour décider. Voyez 10 000, voyez 15 000, voyez 20 000, voyez 30 000 en Haïti. Mais dans qui ville yon pral déployer? Mais pour combien de temps yon place? C'est pas Ariel qui mande. C'est pas Ariel qui décide, qui choisit, qui propose. Ariel contente seulement mande une intervention militaire et la tonne que yon dit, mais intervention militaire, mais qui joun ap débarqué, mais comment on a fait, mais comment on pas fait, etc. Est-ce que ça c'est des dirigeants? Est-ce que ça c'est autorité responsable? Est-ce que moun sa yo nou ka konté sou yo, nou ka continuer kwè nan yo? Nou pa ka kwè nan yo. C'est van yo van payan. C'est bay yo bay étranger payan, yo bay étranger yo full accès pour yo fouler sol nou, yo bay yo full accès pour yo débarquer, yo bay yo full accès pour yo faire ça yo vle. Parce que dans quelques situations, nous conscients que dans moment la PNH pas ka bay résultat de par lui-même, policier ou prend mesure pour yo bay résultat de par lui-même, pas les équipements assez, pas les équipements protection individuelle pour policier yo, nous gère une série de blindés, on dirait c'est faux blindés yo. Donc faut bien entraide, faut bon coopération, faut bon support plus que PNH recevoir. Mais étant donné c'est ou même qui mandé ou qui mandé, ou
ka mande pou tout moun wè ki sa mande ki sa vle. Lò ap mande pa ni dou gran gou non, un gran gou. Ou gran gou mais ki sa vle pou manje ou ka di on moun ou gran gou et puis moun nan pa konnen sou alèje avèk duri l bò duri. Moun nan pa konnen sou alèje avèk pwa noa l bò pwa noa. Sou ap mande ou mande bien. Sou ap exige on bagay ou exige l pou tout moun wè nan sou afè a gon certaine clairvoyance nan sou afè a ou te gen tan atan nou mais ki prévision te fè. Gouvernement Ariel Henry a pa fè aucune prévision. Et Mabdou, gon lobby sérieux ka fèt aux États-Unis là. Map gade Edmond Boschit. Edmond Boschit qui t'a participé dans l'entrevue, li déclaré OK pas de problème, gen plus passé 4 millions ti moun ki pa l'école, ça nous connaît déjà. Et nan moment là pressé police nationale là, Haïti haïtien besoin yon intervention militaire, nous besoin soutien, nous besoin coopération. Yo continue faire lobby, yo continue à demander intervention militaire, yo continue à demander soutien, yo continue à demander coopération sans jamais mettre au pas au feu, sans jamais expliquer peuple haïtien, sans jamais expliquer population mais qui ça yo attend. Mais qui ça yo vle, mais qui ça yo ka attend yo et puis on regarder ce gouvernement canadien sous besoin information sur intervention militaire là. Ou pas besoin monter sous page pour match, ou pas besoin rien. Soit suivre et Sébastien Corrier ambassadeur canadien qui a bar ensemble des formations, soit aller sous presse et sous journal canadien yo, soit chercher information qui gagne pour avec pays Canada que canadien yo a bail que média canadien yo a bail. Mais en Haïti pas attend nous que on a besoin aucune information. Pas attend nous que on a besoin aucune information, pas gagne aucune correspondance qui fait vraiment. Et entre-temps qui ça gagne pouvoir continuer à faire alliance avec gang, pouvoir continuer à financer gang, pouvoir continuer à bailler bandits l'argent, continuer à investir dans l'insécurité, hein? Parce que chaque monde, chaque dégoût dont on bandit là, pour bandit, hein? Et font bagay pour en retour dégoût de ça, c'est dans gorge peuple en croque, son croque lié pour population, hein? Son croque lié pour malheureux qui tombe en bas bandit chaque jour. Entre-temps mon a mouri, entre-temps pas grand monde dedans pays qui épargné. Pa gon moun ki épargné pays pa gen via et puis tout moun a pran bal, tout moun a tombé, ou a pran bal complot, ou a pran bal bandi, ou a pran bal maron, ou a pran bal la police. Ah mon cher haïtien, tout nou jeng haïtien, nou son pays ki en guerre là. Et par rapport avec situation de sécurité violent généralisée qui gen dedans pays là, et nous té wè vendredi passé, vendredi 28 là, qui nouvelle choc, nouvel assassinat Jean-Baptiste. Eh bien, et Moïse Jean-Charles li parle sorti dans silence, si gon ensemble de formation que Maurice Jean-Charles estime que le gagné qui ka aidé la police, qui ka aidé DCPJ et qui ka aidé dans enquête sur assassinat Eric Jean-Baptiste. Bon m'a quitté avec Maurice Jean-Charles qui lui même l'a expliqué, l'a raconté ça le connaît. Restez connecté, rendez-vous en cassé à 7h tapant avec Foucault pour exposition. Non seulement pilote pour mourir, mais Eric Jean-Baptiste qui a un parcours comme entrepreneur qui vignon l'homme politique. Et moi-même personnellement, on pas compte faire ensemble l'intérim dans G8. On était candidats ensemble et même les parfois toujours qu'il y a des désaccords, c'est l'homme à l'homme, c'est pour le monde politique à le monde politique, mais on pas jamais nous même avec Eric Jean-Baptiste bon différent. D'ailleurs, nous ne faisons pas quoi ensemble dans nos batailles contre le ministère. Il n'était pas responsabilité à mes fois. Et encore, il y a un pile social qu'il fait, un pile côté dans le pays. Il investit dans un pile activité sociale, éducationnelle qu'il fait dans le pays. Donc, maintenant, quoi est là, les haïtiens, son dit avec bout de l'eau, oui, qui t'a doué renverser vase dans les Haïtiens. Les Haïtiens. Dans ce sens, nous, comme secrétaire général parti politique Petite de Saline, dans nos partis Petite de Saline, dans nos peuples haïtiens, nous retirons chapeau pour nous descendre bien bas, pour nous partager douleur ça. Ensemble avec famille Eric Jean-Baptiste, que tout le monde vient non, Père l'Éternel. Ça va grand pile temps. Père l'Éternel t'est déplacé. Vinouen nous dans le local.
parti politique petit de Saline, l'aide t'a rencontré au sein des mondes. L'aide t'a dit que Noël, il dit mal déplacé vite. Encore, on te croise Milo dans la zone citadelle là, ensemble avec petit. Pour ça arriver, nous comme dirigeants politiques, son signal qui voulait bailler tout le monde, non seulement les haïtiens, hein, mais nous même tout comme dirigeants politiques, nous ne pouvons pas ignorer ça. Pour nous faire ça, comment tu bagailles? Nous ne pouvons pas te courir pour nous dire mais qui monde, mais qui monde. Mais, il faut une enquête en profondeur qui mène pour jouer qui raison, qui monde, qui est intellectuel, pour ça. Et qui moun qui exécute pour ça? Le monde Haïti en danger. Nous ne pouvons pas jouer avec ça, le monde. Moi-même, je répète encore, camarades nous yo dans RDNP, camarades nous dans RDNP, qui n'ont plus de respect pour nous, qui n'ont plus de respect pour nous, tout, nous pensons que nous avons un gros coup. Nous avons un gros coup. Et coup ça, il n'y a pas seulement coulé de l'eau dans les yeux de la famille Eric Jean-Baptiste avec les camarades RDNP. Nous-mêmes, tout, petite Dessaline, nous frappons de courant. C'est un mauvais signal pour la classe politique. C'est un mauvais signal pour l'entrepreneur. C'est un mauvais signal pour la classe moyenne. C'est un mauvais signal pour tout le peuple haïtien. Peuple haïtien, si on arrive. Eric Jean-Baptiste frappe, quel monde qui va frapper dans le pays? La machine blindée et pas les seuls. Sécurité qui t'a avec là, ou bien chauffeur, les victimes tout. Famille! Famille! Camarade qui t'a avec Eric Jean-Baptiste là, pour elle frapper, famille ça souffre tout. Nous partager douleur ça. Peine ça avec famille là. En gros, nous allons arrêter de bouger, mais ça m'a dit, peuple haïtien, depuis nous avons une sécurité dans notre pays, nous avons une autorité qui l'a pour résoudre, nous allons résoudre. Depuis nous avons une sécurité qui généralise notre pays, nous n'avons pas une solution. Qu'on est, les gens qui peuvent mettre la paix, les gens qui peuvent mettre la sécurité, ils sont impliqués. Dans l'insécurité, ça veut dire que nous sommes pas haïtiens. Depuis nous avons une insécurité dans le pays, autorité qui l'a pour mettre l'audio pour résoudre le problème de sécurité. Depuis nous, oui, il n'y a pas résolu le problème, non. Depuis nous, un problème n'a pas qu'à résoudre. Qu'on est, les gens qui peuvent résoudre le problème, non. Il n'y a pas qu'à résoudre, qu'on est impliqué là dans le peuple haïtien. Et pas dire que nous impliqué dans la mort. Eric Jean-Baptiste, non, je ne sais pas. Nous sommes dans le sens général. De pour la sécurité dans le pays, nous avons des gens qui ont la sécurité, ils sont impliqués là-dedans. Mais pas ici, nous te prenons le temps pour nous parler sur l'antenne Radio Caraïbes avec famille et nous pour nous déplacer pour nous avoir un camarade RDNP et pour nous avoir famille. Dans ce sens, nous profitons de l'occasion de Radio Caraïbes pour nous dénoncer ce qui passe. Hier avec avant hier. Sénateur Moïse, avant de arriver sur l'autre sujet, on fait un petit campé sur le dossier assassinat homme politique, homme d'affaires Eric Jean-Baptiste là. L'homme ça ou ce deal là et moi notel t'a doué et dernier goutte d'eau qui renverse vase là, mais d'après en pile observation tout assassinat Eric Jean-Baptiste là prouvé que jodi encore une fois que personne pas épargné avec insécurité généralisée ça. Donc on a gigé tout comme ça et qui pas habité dans n'importe quartier, qui habité dans gros quartier en l'air dans les hauteurs et qui gagne une machine blindée de niveau 4 qui a une sécurité etc. Li mouri dans condition ça. Donc n'importe qui est tout comme leader politique jodia li capable vulnérable à ce niveau. Et moins dit ça la semaine dernière, gen même ministre dans gouvernement ça, gouvernement Ariel Henry, yo pas dormi la caillou, yo couri qui était résidence privée yo pour bandit. Donc il a dormi dans hôtel bien que c'est au frais de la princesse. Et puis gen de l'autre même qui pas cal dans bureau. Est-ce que l'amour ça pas ta cap servine de si m'te commettre yon erreur
nous te fait un leader politique en mal, ou bien s'il pense que nous te fait en mal, m'en dé le pardon. Et moi-même tout, si toutefois, t'es un leader politique qui te fait mon bagage mal, ou bien un comportement qui mal, soit mal saisi, m'pardonne. Et m'te même pense que j'ai pas comme monde qui est trop loin avec nous, m'te dit si m'te fait un bagage qui mal, m'en dé le pardon. Et m'te lance un appel pour nous faire avec tout leader politique qui est Ferdinand. Nous te rencontrer, même avec l'ennemi, nous, politiquement parlant. Nous te rencontrer avec un pile leader politique, y compris Éric Jean-Baptiste. L'Éric Jean-Baptiste est venu dans le local, là. Il dit, moi, nous, on change, oui, ça qui passe là. Et pour faire appel à leader politique, et bien, je dis, hein, on fait appel, ça m'a apprécié, ça tellement intéressant, moi. On va même qui t'ont déplacé, venir dans le local RDNP, hein? C'est moi-même qui déplacé, venir dans le local où on a Delma 33. Mais oui, une démarche pareille, pour quel résultat? Qui ça, et finalité a été? Sacrivé, nous t'a dit, leader politique, que nous t'a rentré avec un pile dans yo, il y a deux seuls qui t'a refusé, non? C'était la Valage, je m'en ai dit qu'il a dit le pas dans la politique. Ensemble avec Camille Chalmias, qui a dit, je vais gagner tant qu'on y est. Après ça, nous avons un pile leader politique et l'autre pour nous te voir encore. Nous avons déjà conclu un accord sur ça, mais le principe de base là, nous avons dit, on fait une politique moderne pour nous retirer la violence dans la politique, pour nous retirer la corruption dans la politique. Et pour nous retirer au mauvais image des politiques là, pour nous moderniser la politique là. Et Jean-Baptiste dit c'est l'allié Jodian, sacrifier là, il veut mettre plus d'engouement, il veut mettre plus de détermination. Même l'idée nous a commencé avec ça, nous avons été. Demain matin, on va le relayer encore. Et ça, non, tout, qui ne parle qu'il doit relayer nous tout. Pour nous continuer pour ce système, parce que c'est nous-mêmes qui pouvons essayer là. Encore, tout le matin, nous allons regarder comment le monde, si le droit, si le gauche, est-ce que qui est, nous allons encore reparler, parler avec tout le monde qui est concerné pour jouer en solution. C'est pour nous, les peuples haïtiens. Le monde qui est là, nous allons mettre espoir sur nous. Johnny Ferdinand, Gaye Jessel, là, nous prenons une décision de camper dans le pays. Et pas seulement pour la vie chez nous. C'est où nous, il y a une machine qui vient sur nous. Nous avons dit dans le micro-Caraïbe. Nous avons dit aux citoyens de toutes couches. Quel monde qui trouve aisé? Quel monde qui ne trouve pas aisé? Une machine qui vient sur nous. Nous avons dit dans le micro-Caraïbe. Pour nous pas arriver à tomber en bas machine dans mon sein, on lève le campé pour nous rencontrer avec la machine dans mon route. Comme nous, plus, nous avons éliminé la machine dans mon sein. Eh bien, je dis, nous sommes capables de sacrifier Jean-Baptiste. Pas de monde qui est pas dans le pays. Ou se dit le Ferdinand, ou se dit Gaye Jessel, yon entrepreneur, qui vit dans le quartier aisé, côté mon aisé à vivre. Les mêmes qui ont une machine blindée, les mêmes qui ont tout le monde pour protéger cette tête, regardez comment le monde est dans le pays. Qui est le monde qui a fait dans le pays? Eh, peuple haïtien, nous entendons Jean-Baptiste qui mourit, ça parle dans la radio. Si Matoun, si Jean, si Jean-Jacques, ça tout le jour a mourir dans le pays, oui. Mais ça va faire bruit. Ça va seulement. Nous entendons Jean-Baptiste. Moi-même qui en contact avec un plan de monde souterrain, hein? C'est toute journée, oui. Mon homme mourit. Peuple haïtien. Nous ne pouvons pas connaître qui religion nous est. Nous ne pouvons pas connaître qui compte la vivre. Nous ne pouvons pas connaître qui rang social nous. Mais peuple haïtien, nous en danger. Nous en danger. Pour qui ça? Parce que pas nous l'État, pas les dirigeants, pas les responsables. Dans ce pays, nous, pas haïtien, directeur police, nous,
sont incapables. C'est vrai. Nous avons dit non. Depuis cette politique qui met en directeur de police, on a toujours un problème en ce pays. L'homme qui a dénoncé ça, les gens qui connaissent les jouets, eh bien, qu'est-ce que c'est là? Quel Ariel Henry qui met le directeur de police? C'est pour reconnaître que le directeur de police est incapable. C'est pour reconnaître que le directeur de police est incapable. Et je dis, si Jean-Baptiste Morissel mourir là, c'est parce que il y a une responsabilité dans le pays. Peuple haïtien, Haïti c'est pour nous. Nous allons avancer pour quitter voyons. N'a pas conclu, sénateur. Pas qu'à bon. Pour te payer nous. Mais qui va mener nous. Nous même sommes sales, Ferdinand, Gardez-Sel. Nous profiter sur le terrain de Caraïbes pour nous dénoncer. Escadron à mort, Ariel Henry mette, Wasmila mette, Privé mette, dans ce pays-là, qui ont même, par une machine semblable, à marcher dans ma chaîne militante politique. Radio Caraïbe, nous sommes à 60 matins, sur le thème Radio Caraïbe. Le monde, quand les voix nous en danger, imaginons, Gardez-Sel Ferdinand, avant-hier, il y a une machine sans blague qui marquait soit qui débarquait dans la base 47 qui trouvait dans la base 47. Grande journée, vers 5 heures de l'après-midi. Il y a entré, il y a pris 5 jeunes garçons à Hawaii qui sont un élément important dans le monde qui qu'on a suivi. Avec 4 autres jeunes garçons, mais c'est Yoshita calmement, deux bras balancés, Yoshita devant le calme, j'ai pas l'entrée, machine flotte la barrette, hein, avec Kaboul, hein, y'a pas chèque dans yo, nous allons, demain 33, dans le commissaire policier, nous pas joignons, nous allons, DCPJ, nous pas joignons, nous faisons des masses, non! Commissaire de Port-au-Prince, nous rejoignons. Nous faisons des marches. Pénitentiaire nationale, nous rejoignons. Peuple haïtien, après avoir fait une troisième garçon dans la base 47, ça dit au moins et demi, il y a le tiers. Il y a fait une grande. Un pilote, camarade de Denis, au niveau de Pétionville, moi avec une marche, au mouchoir, un drapeau noir rouge de coule, il y a le tiers. Il y a un col avec des bonnes rouges là. Il y a un pilote militant nous. Dans le plateau central, militant est mort. En Cap-Haïtien, militant est mort. Et nous tous au niveau de la 75. Il y a un autre militant qui aurait les petits connions. Il y a eu 3 balles. Il est tombé au passé de mourir. C'est chance. Nous menons à l'hôpital. Jusqu'à présent, il est dans une situation difficile. Appadez l'autre qu'on y a tiré. Nous voulons qu'on ait un gouvernement. Nous voulons qu'on ait un ambassadeur. Nous voulons qu'on ait un secteur économique. Non. Chaque petit désolé avec nous. Tout militant qui est plus important. Yo. Tout militant qui est plus avancé. Yo. Qui a éliminé au grain par grain. Soit tenu à ce Caraïbe. Nous faisons appel à l'organisation de droit mounio. Organisation de droit mounio. Dans une minute, nous avons fini, sénateur. Merci. Nous, nous tendons, mais nous ne pouvons pas aller. Et c'est pour nous connaître, gagner toutes les machines de la mort qui ont tout des routes, autoroute d'Alma, et on peut l'autre côté, dans le pays. Avant hier avec jeudi, avant hier avec hier, c'est éliminé, éliminé. On peut qu'il y a des militants petits de Saline. Maintenant, nous connaissons, il y a encore. Pendant, dimanche, j'ai couvert les militants qui ont protesté dans la zone. Ils ont pris dimanche, comme un journaliste, ils ont battu la vente, ils ont battu la tête, pour voir les gens qui n'ont pas sorti. Et malheureusement, les journalistes encore qui allaient, en dehors dimanche, ou bien dans le commissaire de police, pour aller protester dimanche.
Nous ne sommes pas encore c'est la mort. Aïe la vie, son chrétien. C'est pas pour pouvoir. Pour faire payer ça. Pour qu'il y ait pour payer ça. Et on paye ça très cher. Ça va jamais faire dans le 21e siècle ça. C'est dans le 21e siècle ça. C'est pas conseil politique fait. À pour bon temps. Ou à tirer tout le monde. Ou à prendre le monde de la journée. À tirer yo. Et puis toute société, nous là. Y'a regardé, mais peu haïtien. Nous déjà dans mes temps rivières là. Nous ne pouvons pas faire en vérité, en vérité. Cette fois-ci, faut être libéré. Parce qu'elle nous demande des dollars. Parce qu'elle nous demande des 100 dollars. Parce qu'elle nous demande des barrières. Parce qu'elle nous demande des pour gagner. Merci beaucoup, sénateur Jean-Charles Moïse. Pourquoi vous sortez quand vous sortez? C'est jamais le mettre sous l'eau. Mais mes haïtiens, qui met la balade, nous ne sommes pas en route. Au contraire, mobilisation contre Ariel. Mobilisation contre Bessie Banquio. Mobilisation contre l'Occident. L'Ipap Campé. Matin là. Dans mon cap haïtien. Nous avons commencé la manifestation. Depuis. Carrefour Abattoir. Zone Madeleine. Abdi peut-être moins de manifestation. Mon Prince Marie. Vertière. Carénage. Rivende. Et tout le monde dans le pays. Tigouave, Gangouave. Léogane. Jérémy. Okaï, Jacques Bell. Tout partout. En Caillé, à plein fait camper, et zone métropolitaine de tout, à bien fait camper. Papa, il s'est profité de fait camper. Pendant, criminel, ça y est en magie. Nous, pour montrer nous-mêmes, pays a fait pour nous. Et nous allons quitter le pays, pour voyons, ou bien, pour affranchir. Nous allons capables quitter le pays, nous. Papa, il s'est, mettez femme sur nous, mettez garçon sur nous. Nous allons dire, nous allons crier. Je commence à nous crier, mais nous ne pouvons pas crier net. Campé pour défendre le pays, nous. Campé pour défendre le petit nous. Campé pour défendre tête nous. Nous sommes peuple qui t'es couché liberté. Nous ne pouvons pas nous aider aujourd'hui. Malgré tout ça, fait nous. Bon là, tu sais, c'est la toi, Moïse, il faut que nous allions. Merci un peu, Moïse, Jean-Charles. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Désespoir de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial, on dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.